Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pardon de ne pas avoir été là lundi. Ce dimanche matin, je suis fatigué, vous voyez. Je suis crevé. Mais fun fan. Alors j'ai toujours évidemment hein, le plaisir avant tout, l'envie de faire mumus, de me détendre. Mais bonjour Christella. Mais je suis claqué. Là, c'est rare quand je passe à la caisse comme ça, mais là j'y passe. Donc hier, si vous avez suivi mes aventures en partie sur Dying Light et les bibis, hein, j'avais mal de crâne, j'étais pas frais. J'ai regardé un peu mon ralenti, on voit que je me tiens la tête, que je suis... là, c'est une autre variante. Je vais mieux. J'ai fait 11 nuits de sommeil. 11 nuits de sommeil. Si seulement en une. 11 heures de sommeil. Mais c'est pas encore ça. Ça va mieux. Mais c'est bon. J'ai bon espoir d'être bien réglo demain matin. Manque de bol, ce sera un jour où il faut bosser. Bon, c'est autre chose. C'est pas grave. Mais claqué de chez claqué. Ça faisait longtemps. Hein. Je sais pas. Changement de saison, possible. Peut-être d'autres facteurs. C'est vrai que j'ai eu des trucs pas tristes la semaine dernière qui m'ont retourné le cerveau. Et voilà quoi, bon, éprouvé. Mais ça va, c'est de la bonne fatigue que je sache. Donc je vais pas m'en faire plus que ça. En tout cas, j'espère que vous allez mieux que moi. Et du coup, alors même pas de Sonic Mania, pardon, je fais juste du Minecraft jusqu'au tableau mystère à 20h, enfin un petit peu avant 20h. Puis voilà, à mon avis, derrière, j'irai me pioter, j'irai me coucher à 20h30, 21h, histoire d'être bien frais demain, quoi. Heureux. Du coup, je fais les choses sans réfléchir. Ça va pas être très sport, hein. Ça va être mou, je suis désolé. Mais bon, de la bonne musique en fond, en arrière-plan, 100% détente. Oui, ça va mieux, ouais, merci. J'ai récupéré de l'énergie, mais voilà, on voit que j'ai pas les batteries complètement chargées. Mais j'ai bon espoir d'être normal demain matin. Voilà. Ouais, il y a des moments, voilà, grosse fatigue, il faut bien. Faut savoir dire stop, quoi. Et se prendre repos pour soi. Mais honnêtement, déjà, le Final Fantasy ce matin, j'étais pas motivé. Parce que je suis fâché contre le jeu. Je vous expliquerai pourquoi quand je ferai la critique dans mon Discord du jeu. Et ce que j'ai envie de dire, il y a des trucs qui ne sont pas dans le jeu vidéo. Je vais ressortir ma fameuse convention de Tokyo qui n'existe pas mais qui est rêvée d'avoir des obligations et des interdictions imposées dans le monde du jeu vidéo qu'on en conçoit un parce que... Enfin, bref, c'est un débat que j'ouvrirai un autre jour. Donc Final Fantasy, bah, il est passé à la trappe ce matin puisque j'étais pas frais, j'ai pas diffusé. Ah, mais ce n'est que partie remise, ce sera dans 15 jours, puisque le week-end prochain, vous ne me verrez pas. Alors, peut-être vous me verrez le samedi matin, mais c'est même pas sûr. Ça, je le saurai la veille, en fait. Je vais creuser comme un nigo à la mine, hein. C'est pas comme c'était le principe numéro 1 du jeu. Reste à savoir creuser où, quoi, comment, qu'est-ce. Je vais aller. D'ailleurs, j'aurais peut-être dû prendre un chariot finalement. Parce que je vais aller un peu loin. J'aimerais aller au-delà de la faille qui me les brise, disons-le. J'aimerais récolter pas mal de roches classiques. Voilà, vous voyez, je me tiens encore la tête naturellement parce que j'ai pas la force de tenir ma tête et mon cou droit comme d'hab. Je m'économise. Je m'économise. La 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 la. Qu'est-ce que je vais creuser? Je suis vilain, je laisse mon chariot là.
Il y a quasiment personne sur le serveur. Je farm en ville. C'est vrai que je pourrais récolter de la roche rouge aussi. De la roche rouge. De la roche noire. Oh là 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 là. Je vais vous sortir des n'importe quoi. Le cerveau qui bug complètement. Nul ne sait où mène ce corridor. Oh mon dieu, j'ai oublié. J'ai oublié, mais je peux peut-être récolter de... Ouais, de la roche à foison. Attends, là il y a une... Pas mal de roches noires. Ou alors je creuse... Me fait peut-être un escalier d'office pour me distinguer. Zeba idiot. Et mon chariot est là-bas. Pourquoi pas? L'idée n'est pas pour me déplaire. Donc vocale ouverte, hein. Si j'ai des copains qui passent, qui veulent bavarder avec moi dans le Discord, vous êtes les bienvenus. Je suis là jusqu'à un petit peu avant 20h. Ça fait 5 heures de jeu, c'est bien. Je vais d'ailleurs, si j'y pense, je scindrai en deux la vidéo pour Twitch, YouTube, là, enfin surtout YouTube. Faire deux fois 2h30, histoire que ce soit pas trop long non plus comme ralenti. Je sais plus. Ah oui, c'est celle-là qui fait fortune 3. Oui, non, je peux laisser comme ça. La 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 la. Oh oh, c'était pas prévu au programme, ça. Ahmed. Oh non. Ah, il y a de la... Oh merde, il y a une voie d'eau. J'avais pas prévu la voie d'eau, moi. Crotum. Oh, je peux parer le truc, mais c'est d'un chiant. Je peux parer le truc, mais c'est d'un chiant. Non, j'aurais pas dû faire ça. Nope. Je sens que je vais faire de la mouise. Ouh là 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 là. Ouh, je ne fais que de bêtises. I die bêtises. Oh tiens, pour parler spontanément d'actualité vidéoludique. Je suis passé chez Petit Seb Live tout à l'heure. Et il faisait donc le fameux remake. Je déteste ce terme de remake. Le jeu refait de Resident Evil 4. Je suis tombé sur... quand ils sont en tandem, c'est-à-dire il y a Léon Kennedy et Ashley... je sais plus comment, là, la fille du président.
La version moderne, là, mise au goût du jour, on va dire, elle a pris un coup de vieux Ashley. Oh, on voit qu'elle est bourgeoise. Mais à un moment, le premier plan que j'ai vu d'elle, nouvelle version, j'ai cru qu'elle s'était mangée 20 ans dans les dents, quoi. C'est-à-dire qu'elle n'était plus son perso à 20 ans. Vraiment la jeune femme, mais 40 piges, quoi, je lui donnais sur le coup. Alors, après avoir vu un gros plan de la modélisation 3D d'Ashley, j'ai révisé mon propos. Mais ça m'a fait un choc, quoi. Concours de circonstances malheureux, ça lui a foutu un seul coup, c'était moche. Mais bon. Ouais, c'est plus mature, elle fait moins ado, ouais. Ah, ça m'a. Quand j'ai vu ça tout à l'heure, ça m'a. Ça m'a troublé, voilà, c'est le bon terme. J'étais troublé. Oh. C'est bien les oreillettes là, c'est mieux que d'avoir le retour son télé. Pourquoi? Parce que j'ai une meilleure spatialisation 3D du son et je localise mieux à l'oreille comme fait parfois Torota les ennemis. Là j'entends des zombies qui doivent être pas très loin. Je les entends gémir dans leur cavité. Merde, je les ai loupés, ils sont pas là. Ils sont plus en face? Bizarre. Là, j'aurais dit à gauche. Alors, le truc à pas faire, creuser à la verticale. C'est bizarre. Pourquoi j'entends. Non. Bizarre. Je les entends, mais bon, ça c'est pas perdu, c'est du lapis-lazuli. C'est la belle roche bleue. Oula! Encore une voie d'eau? Mais c'est un dimanche sous le signe du glouglou, moi. Oh là là, c'est parce que j'avais demandé. Remboursé. Ouh. J'ai de la roche, moi, pas de la flotte. Oh là là, dur. Oh yo 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 yo. Moi, c'est Léon, je trouve qu'il a une sale tronche, comme si elle n'avait pas assez dormi. Alors, c'est vrai que j'ai. Dans la phase de jeu de Petit Seb Live de tout à l'heure, je voyais beaucoup Léon de dos. Hein, c'est le. Voilà, par rapport au jeu. J'ai pas vraiment vu sa tronche, donc je pourrais pas dire. Donc, visiblement, les deux ont pris un coup de vieux. J'aurais été méchant dans ma critique tout à l'heure. J'aurais dit c'est pas Ashley qu'ils ont incorporé dans la nouvelle version, mais la merde d'Ashley. C'est méchant. Mais bon, bref, ça m'a fait bizarre. Ah, mais je vais crever avec ma bêtise.
Je ne fais que de bâtir, je débile. Ah, au secours! Apnée. Ah! Bah voilà, j'ai plus assez de rush. Scandaleux! C'est scandaleux! Ah! Au secours! Bon, c'est pas la même texture, mais ça a les mêmes propriétés, c'est de la roche. Donc pour me débarrasser de ce couloir de flotte, hop là. Bon, physique, ma crème tienne, hein, vous aurez deviné. Ça déjoue totalement les lois de la physique normale. Mais nous sommes dans le monde magique merveilleux de Minecraft. Ah, c'est vrai, on est dimanche. Ce soir, on a... Normalement, il y a Poupon qui nous gratifie d'un direct Lego. Oh, trop bien. Oh, est-ce que j'aurais le courage de pousser jusqu'à 21h et de lui faire un relais de chaîne? Je serais trop content. Peut-être, on verra, on verra. C'est pas ça que je voulais faire. Oh, j'entends de l'eau et une chauve-souris. Oui, alors attends, je refais un truc plus large, hein, je vous rassure, mon corridor il est exigu, il fait flipper. Il est à peine angoissant, on se croirait dans les jeux vidéo à la Tomb Raider, vous savez, les murs qui se rapprochent et qui vous cuiquent. Ça fait un peu ça. Pas de claustro. Faut pas être claustrophobe. La 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 la. Oh! Mais c'est une mine... Ah non. J'ai cru que c'est une mine naine, non, j'ai dit des bêtises. Mais c'est pas possible! Ça m'arrivera de déboucher sur une cavité sèche. Oh. Oh là 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 là. J'ai pas de bol, moi. Il n'y a pas de chance. Et pas mon jour, hein. Un petit... Oui, pardon. J'avais un souci avec mon pied au niveau du siège. Ça devenait inconfortable. Oula, bonjour. Bonjour XX. Alors, et désolé du dérangement, j'espère que tu vas bien. Je passe car je suis graphiste et je propose tout ce qui est logo, bannière, overlay, panel pour des prix très raisonnables. Désolé de ma pub, mais si tu es intéressé, n'hésite pas à m'ajouter sur Discord. Bon live à toi. Oui, merci. Alors, moi et ma communauté, on a pas... Oui, Tunsen qui se prend la poire. Bonjour Tunsen. Moi... Et non, tu peux laisser, ne t'inquiète pas, fan. Mais c'est vrai que c'est assez agressif. Mais pour répondre honnêtement, ça me dérange pas plus que ça. C'est que moi et l'ensemble de ma communauté, soit on est notre propre graphiste, c'est la chance d'être mon cas, soit d'autres ont déjà leur propre graphiste en fait. Et dans l'immédiat. Merci tout plein pour cet acte de fidélité à la chaîne. Ça fait chaud au cœur. Bienvenue. Oui, merci.
Mais de mon côté, il n'y aura pas de boulot de graphiste que je sache, donc désolé. Je vois personne dans mon secteur qui serait demandeur de ça. Le pire, c'est que je connais d'autres graphistes. Apparemment, c'est un filon qui marche bien. Mais en tant que client, j'ai pas. Désolé, c'est pas ici qu'il y aura du boulot. Hein. Non, c'est toujours bon de demander. Moi, je suis pour. Mais je comprends qu'on puisse vivre ça comme, entre guillemets, une agression de se faire de la pub gratos sans demander l'accord du diffuseur. Je comprends, c'est vrai que c'est discutable, on va dire. Moi, je m'en moque, j'en prends pas rigueur. Et je comprends la démarche parce qu'on est dans une époque où pour se démerder, il faut savoir faire un peu de rentre dedans. Gentiment, mais il faut savoir... Faut savoir se montrer pour essayer de gagner sa croûte, quoi. Donc, mais ici, là, malheureusement, c'est pas la bonne porte. Mais c'est vrai qu'en démarchant comme ça, je serais pas surpris qu'il y en ait certains qui répondent de manière positive. Hein. Bah, bon courage hein, pour la recherche d'avoir un travail rémunéré à ce niveau-là. Mais ouais, c'est vrai qu'ici, c'est pas vraiment le... C'est pas la période, je dirais. Parce que tout le monde est à peu près satisfait de leur composition graphique et de leur interface. Hic, attends, oh là là. Moi j'ai envie de dire c'est l'inverse. Vu mon état, j'ai dormi largement une heure de plus. Mais bon, j'avais vraiment besoin de repos. Mais voyez, je rigole plus de manière plus spontanée là. Je suis plus prêt par rapport à hier. Je vais mieux. Encore une deuxième nuit, bon elle sera pas aussi longue. Mais demain je me fais pas de soucis, je serai requinqué. Je mets le bloc là. Alors attends. Bim 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 bim. Ah non, pas le bug de la neige. Pas le bug de la neige. J'ai scandaleux. Poilonneux. Alors, que je mette des cubes de pierre.
Je pense à Torota adorable qui m'avait passé. J'avais rigolé quand je jouais au Bibi sur sa chaîne dernièrement là. Il lui aussi passe des musiques libres. Je lui avais passé le lien pour Dogmazic, là, le grand site de musique libre dont on s'écoute une partie du répertoire actuellement. Et lui, il avait dégoté en fait un album de musique de chant marin chanté en français, vachement bien là. L'histoire d'une goélette, enfin un truc comme ça. Adorable, il m'a passé le lien, je sais plus où, je l'ai pas retrouvé. Enfin bon, je vais mettre ça justement sur le compte de la fatigue. Mais oh, je saurais bien pas le retrouver, c'est pas perdu. Mais j'aurais voulu l'inclure et me l'écouter cet après-midi, et puis j'ai pas retrouvé tout à l'heure. Tant pis, c'est pas grave. Une occasion manquée, il y en aura d'autres. Et d'ailleurs, en association d'idées, c'est ce que je lui avais témoigné d'ailleurs à ce moment-là, le soir-là, quand j'avais découvert avec lui la musique. J'avais eu la chance, lors de mes avant-dernières vacances, c'était il y a plus de 10 ans de ça, sur l'île d'Oléron, il y avait les marins qui chantaient sur le port, un très beau souvenir. Et je leur avais acheté deux de leurs albums, et en général, que je sache, les fonds vont à l'association des marins sauveteurs, sauvetage en mer en fait. Je sais plus comment elle s'appelle. Société de sauvetage en mer de France, la SSMF, un truc comme ça. Et bien, les chansons, c'est tout con, mais je dois avoir ça quelque part dans ma discothèque. Alors en dur, hein, pas en dématérialisé. Un vrai CD avec une belle pochette. D'ailleurs, je crois même que j'ai les paroles dans le livret des chansons. Bref, un bonheur. Et très bien fait, très pro. Et enfin, je me réécoute ça. Ça fait... Alors, en 10 ans, j'avais réécouté un peu avant. Mais ça fait 3-4 ans, j'ai pas souvenir d'avoir ressorti l'album. Et je crois que je me réécoute parce que c'est sympa. Il faudrait presque faire un jeu comme je vous l'ai brièvement présenté durant ma phase de test. En revenant au monoposte, là, il y a quelques jours, je vous avais présenté Salt, vous savez, sel en anglais, je vous avais dit que c'était le Sea of Thieves du pauvre. Il est moins beau, moins riche, mais l'idée est là. Et, alors, c'est pas libre de droit, c'est dommage. Je pourrais pas vous diffuser, je crois pas, ça doit être... faudrait que je regarde, mais ça doit être enregistré à la SACEM, donc je l'aurai dans l'os. Mais c'est le genre de chant, de musique, de marin qui irait évidemment vachement bien avec le jeu puisqu'on serait dans le thème de la mer. D'ailleurs, je finis même par me dire si à un moment j'ai pas joué une journée au jeu Salt à l'époque quand j'ai découvert.
dans cette ambiance-là. J'ai dû faire le coup parce que c'est... Voilà, quoi, l'association d'idées, elle est facile. C'est trop marrant pour se mettre dans l'ambiance. Ça me fait délirer. Rien que le principe me fait délirer. Ah. Oui, non, c'est un... Oui, non, oh là là. Oh là là, qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce que je jette? Qu'est-ce que je prends? Ah, je vais remonter avec ça. Eh, pas mal. Yo, les jeunes. Yo. Ah là là. Ouais, j'étais pas assez frais pour un Sonic Mania. Je repense à Dr. Boutique, Dr. Boutnik, là. Mais Sonic Mania, j'aurais fait de la mouise. Dans tous les cas, j'aurais fait de la mouise. Je suis trop claqué. Il faut que je sois vif d'esprit et de muscles de main, là, dans les réflexes. Pareil, partie remise. Tant pis, on le refera dans 15 jours. Aïe, 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 aïe. Ouh là là, je vois des noms de comptes connectés à la chaîne. Et des trucs originaux. Du coup je peux même plus prendre mon chariot, je vais l'avoir dans le baba, ou alors il faut que pardon, ouais, je prends le risque de jeter ma flèche, donc je récupère le chariot que je mets là, je me barre là dedans et voilà. Ah, bonjour Toyota, c'est marrant, je parlais de toi il y a quelques minutes. Alors fatigué, mais je vais mieux. Et toi, comment ça va? Sinon, dans l'ensemble, je vais bien, merci. Mais non, non, fatigue. C'est pour ça que j'ai pas diffusé ce matin. Là, non, non, là, franchement, la fatigue m'a assommé, claqué, quoi. Hic. Ouais, tu vas plutôt bien. Bon, c'est cool. J'entends des bruits parfois dans le jeu. Ou c'est moi. Arthur, c'est la nuit. Alors, burp. À cuire, à cuire, quand je le dise. Combustible. Oh mon dieu, j'ai jamais eu autant de charbon. Voilà, j'en ai tellement que je vais devoir être condamné à faire des blocs, à les compacter. C'est beau, cette richesse. C'est beau, c'est beau. Oui. Voilà. Vache. Du charbon en veux-tu, en voilà. Popo, popo, popo. C'est beau la richesse, c'est beau. Oui, pareil, le fer, la vache, on en a une tonne et demie, là. Je sais plus quoi en faire. Ah, ah. C'est un mauvais jeu de mots. Attends, j'avais... Oui, non, le four, il est vidé, ok. Alors que je me refasse des torches.
matos est en bon état, mon armure, bon, je me contente de faire. Oups, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai bougé le wagonnet. J'ai bougé le wagonnet. Ou alors des bâtonnets, je vais en avoir dans le coffre. Bonjour AJ, comment que ça va? Fatigué, mais bon, dans l'ensemble, je vais bien. Bon, c'est bien que t'ailles bien. C'est cool, c'est cool. Flèche de combat. Oui, tiens, rien ne m'interdit de... Oh, 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 oh. Tiens, rigolo de voir le chariot de Traviole. Rien ne m'interdit de réutiliser mon chariot pour aller là-bas, en fait. On continue tout à pied, c'est pas forcément pertinent. Oh, j'ai pris le temps de mettre en place le rail automatisé, autant que j'en profite, ce serait débile de passer à côté en marchant. Hop là. Ouais, je vais avoir la flotte qui va m'enquiquiner, c'est ça. La flotte va m'enquiquiner, effectivement. Ah bah, elle m'enquiquine déjà. Oui, j'ai dit, le souci, c'est qu'elle arrive tout proche, mais non, mon truc... Ah bah, c'est bien. Pour le coup, ça tourne bien. Oh, merde, baby, il faut que j'élargisse mon couloir, moi. Oh... Scandaleux. Mais du coup, dans la génération de cartes Minecraft, je me pose la question. Est-ce qu'on peut avoir des générateurs qui apparaissent dans l'eau? Non, c'est débile. La créature, elle meurt noyée. Alors, si c'est bien programmé, c'est pas le cas. Oui, attends. J'attends que l'eau se calme, parce que... Alors, Edja, tu dis, j'ai essayé de diffuser ce millier avec OBS. Ça a coupé au bout de 40 minutes environ. Basso s'était présent à ce moment-là et il m'a dit que c'était un problème de connexion. Il faut que je surveille mon gestionnaire de tâches. Ah. T'as la fibre pourtant chez toi, Edge. Et puis attends, le problème c'est vrai que t'es dans un ménage familial. Donc vous êtes plusieurs peut-être à utiliser l'internet. Ça peut poser problème. Ah, t'as pas la fibre. Ah ouais, alors en plus le fait que vous êtes peut-être plusieurs dans la maison à faire usage de l'internet, déjà il faudra démarrer avec une diffusion modeste, c'est-à-dire plutôt du 480p plutôt que du 720p pour démarrer. Vaut mieux avoir un direct dégradé mais fluide que essayer de faire de la trop de résolution, que c'est saccadé, c'est rageant ça. Oh merde, j'ai fait un... Tant pis, c'est pas grave. Pff.
J'ai fait un décalage à la noix. Da di da da do da. Da di 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 do. Pour voir des choses intéressantes là, non? No 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 no. Apparemment, nope. Alors après c'était un direct test, donc au moins je sais quelle conférence tu as. J'ai pas optimal, ouais ouais. Après je vois pas quels conseils je pourrais te donner. Non, moi je serais toi, je commencerais par observer le 480p. En fait, c'est la vieille résolution des jeux sous MS-DOS, le 640 sur 480. Attends, non, je te dis des bêtises. Non, je te dis pas de bêtises. Si, c'est ça. Enfin bon. Merde, je fais n'importe quoi. J'utilise la mauvaise pioche au mauvais endroit. Ça me vide le cerveau, c'est hypnotique, le fait de creuser comme ça, à chaque fois. C'est, voilà, bah je récolte de la roche en fait.
de la roche naturelle pour avoir c'est de quoi faire des pierres lisses pour ma plateforme et finalement bétonner intégralement la mer de glace. L'idée elle est là, donc il y en a pour des heures et des heures et des heures de à faire ne serait-ce que cette mission là. Non, il n'y a pas de... Je me suis pas repenché là-dessus. D'ailleurs, le coût de la version de Minecraft, là, je suis sous la 1.19.3 alors que l'actuelle, c'est la 1.19.4. Je finis par me poser des questions si c'est pas à moi, finalement, de... C'est bizarre. Il faudra que je fasse des tests demain soir, si j'ai le temps. Si je vois que personne n'est connecté au serveur, je ferai un test. Je vais essayer de tordre le bras au serveur côté serveur justement dans les fichiers et de lui faire digérer la version 1.19.4 en redémarrant le serveur. Je vais voir s'il digère bien ou si ça passe pas. Mais ou alors d'ici là, le prestataire de service Very Game aura à nouveau mis à jour dans sa liste déroulante là les versions qu'on peut appliquer au serveur, et puis voilà, on basculera dans la dernière version. Ah, une cavité naturelle. Oh oh, qu'est-ce qu'il y a dedans? Juste un peu de lave. Encore que. Petit saut. On va aller voir. Parfois il peut y avoir une continuité dans les cavités, un petit mur fin qui sépare deux chambres souterraines, on va dire, mais là c'est pas le cas, visiblement. Bon. Pidu! La 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 la. Ah oui, 16h déjà. Déjà 16h.
Ah oui, merde, j'ai plus d'emplacement de livres. Bon, bah, je vais virer le petit silex. Ibi. Attends, faut que je me refasse des torches aussi. Hop là, voilà. Bon, ça c'est fait. Je vais reprendre l'or là. Oui, du coup, il y avait le dit passage aussi où il y avait de l'or dedans. Voilà. Nickel. C'est vrai que ton Amen et Jess, ça me fait penser, je m'étais dit que un jour, il faudra que je fasse une intro Minecraft en mettant ma voix en écho comme dans une église, parce que il a créé une magnifique église là dans son village médiéval Nashevman. Et faire une intro avec l'effet là, je suis obligé, il faudra que je le fasse un jour. Faut que je planifie ça, que je prévoie une intro, mais il y a un truc à faire. C'est obligé. C'est trop drôle. Ça avec effectivement le carillon, pour peu que je rythme bien mon truc et que le carillon sonne en même temps, ce serait énorme. Oh là là. Sur mes travioles. Ah, moi. Ouais, alors là, après, il y a le gravier. Bon, le gravier, je peux l'abandonner. Oh oui, le gravier abandonné. Ah, tu vas faire un test dans 15-20 minutes. Ouais. Là. Ah, c'est bien pour les diffuseurs en devenir. Donc, y'a toi et Jay, y'a tu une scène. C'est cool. Je veux dire, d'une certaine manière, la famille s'agrandit. C'est cool. Oh non. Le killer, bonjour. Ah, il y en a qui vont chercher le pseudo. C'est beau, c'est stylé, avec majuscule, majuscule et l'underscore. Je vais principalement diffuser mon point de vue sur les jeux multijoueurs. Oh. Ah, alors. Tu peux faire acte de candidature d'inscription, en fait, sur le serveur. Mais je pourrais pas t'ouvrir les accès aujourd'hui. Alors, c'est bien moi le propriétaire du serveur, mais si tu veux, j'ai une gestion sur liste blanche. Et il faut que je t'enregistre dans le serveur. Là, j'ai pas les codes sur moi. Mais si... Je sais pas si tu regardais déjà... Mon monde, parce que ça fait des semaines que je joue un dimanche sur deux. Et si t'étais intéressé, si je sais pas si l'atmosphère te plaisait avec mon groupe d'amis, tu te sentais compatible, on va dire, pourquoi pas?
Mais ok, FR, on est aux élections présidentielles, j'ai compris. Alors, pardon, moi, par contre, j'ai rien compris de ton propos. Faudra me reformuler différemment, mais... c'est vrai que bon... je suis en train de... Ah, élection présidentielle en 2027. Ah, oui, c'est en 2027 la prochaine. Je fais même pas attention. Mais... oui, c'est pas immédiat. Oui, c'est ça que tu veux dire. Oui, non, là, désolé. C'est pas instantané. Mais c'est vrai qu'il faudrait peut-être que je réfléchisse à mettre en place quelque chose de plus simple. Parce que même moi, j'ai du mal à expliquer le comment du pourquoi je peux pas vous ouvrir tout de suite l'accès au serveur. C'est vrai que ça fait pas clair. Hein. C'est pas spécialement engageant. J'ai rien contre le fait d'accueillir de nouvelles personnes, mais c'est vrai que la manière de le faire, c'est pas ce qu'il y a de plus facile. J'ai pas facilité les choses, on va dire. Bonne remarque. Alors, le problème, comme j'ai pas toute mon énergie aujourd'hui, j'ai du mal à réfléchir et à solutionner le problème. Mais effectivement, il y a un problème qui a été soulevé. J'ai un vague souvenir, je crois que j'avais mis en place à la création de ma chaîne une commande, justement en prévision de jar de demande, où vous pouviez vous faire acte de candidature en fait, oui, un peu à, comme présidentiel comme tu dis. Mais moi-même, je sais même plus c'est quoi la commande. C'est un truc. Point d'exclamation. Je veux jouer ou un truc comme ça. Mais il faudra que je revoie. Faudra que je fasse un truc plus simple, plus intuitif. Et là, désolé, c'est pas le cas dans l'immédiat. Je pourrais peut-être faire un truc en lien avec le Discord pour le coup de poser acte de candidature pour participer au serveur Minecraft. Il y a peut-être Discord qui se prêterait le mieux aux explications, à la procédure à suivre pour s'inscrire. Ouais, il faudra que je réfléchisse à un truc comme ça. Oula. Oui. Que je fasse un bon enchantement. Ah, je suis à 29. Ah oui, mais non. C'est pas ça qu'il me faut, c'est une enclume. Je veux réparer ma pioche. Oh là 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 là. La fatigue fait des ravages. Voilà. D'ailleurs, je peux peut-être faire un ensemble de roches à cuire là. Qui que j'ai ? Bah oui, je peux faire. C'est ça qui est bon. Mmh.
Pareil, il y a un greffon que j'avais mis sur mon Discord là pour Minecraft, vous savez, là où on peut salir tous les chats, ce qui est super agréable. Mais je sais que j'ai des fonctionnalités que j'ai pas exploitées. Faudrait que je farfouille, que je mette mon nez dedans quand j'en aurai l'occasion. Et je pourrais peut-être vous apporter de meilleurs services, des trucs amusants en fait, hein. C'est pour distraire, c'est l'idée. Mais quand ? Grande question. Là, je pense que je vais avoir un printemps très agité. Je sais pas pourquoi, mais je sens que je vais être très sollicité pour X raisons. Enfin, bref. Oula. J'ai merdé. Aïe, aïe, aïe. Faudrait pas que j'aille trop loin non plus. Mais je pense qu'il y a des choses à faire. Tant qu'il y a une cavité avec des monstres. On entend le zombie, mais... Parle, j'ai mis pu. C'est un beau filon.
Je vais laisser tel quel. Mince, une plante de pioche. Oh. J'en ai une pour les minerais et l'autre pour la roche classique et je les intervertis maladroitement. Donc du coup je perds une partie du gain bonus avec l'effet fortune 3. Ah, et je perds. Ah. Ça c'est le son d'une cavité qui est toute proche, une cavité vierge théoriquement. Donc non explorée, il faut le comprendre dans le sens là. Intéressant, ça va donner un peu de piquant à l'exploration. Enfin, là je devrais plutôt parler d'excavation. C'est vraiment hypnotique comme activité. Non, je mets pause la musique. Je me demandais si j'entendais pas de l'eau couler dans le jeu. Ce qui me permettrait de repérer la cavité naturelle. Mais là, c'est pas le cas. Une cavité qui est pas loin, mais où? Ah, si, le truc qu'il n'y a pas à faire au-dessus, mais bon. Non, il n'y a rien. Bizarre.
Est-ce qu'il y a quelque chose par là? Visiblement non. Bizarre, bizarre. Heureux, AJ. Alors, des tests concluants? Ça marche? Alors j'étais parti prendre un goûter, là je vais faire le test. Ah d'accord, du coup je vais fermer tout ce dont j'ai pas besoin pour avoir un maximum de ressources. Oui, ouais, n'hésite pas. A tout à l'heure, Edge, bon test à toi. Ouais, c'est toujours émouvant quand on fait ses premiers tests Twitch. C'est bien. C'est bien, c'est bien. Ah là là. Ah, j'ai merdé mon... Voilà. J'ai fait me débarrasser de la flèche pour avoir le wagonnet.
Pourquoi pour... Chacuit. Sibing. Ah merde, c'est vrai qu'il y a la maison. J'allais dire, je vais voir au loin la banquise en prenant de la hauteur, mais non. C'est depuis la maison que j'aurais dû faire ça. Oh, le... Ou encore que... C'est vrai qu'il y a la partie supérieure du... Ouais. À la limite. Ouais, ça fait de la... Ouais. Il y a de la profondeur. Hein. Vache. Il y a de la profondeur. Eh ben, j'en fais du boulot. Excusez-moi, je me réinstalle. Hop là. Que je sois bien. Ibi. Là, on entend la perruche. Fêtard. Le bien nommé. Réfléchissons. J'ai ramené... Ouais, encore de quoi faire un cycle de roche. Là où je pourrais faire un peu de concret, c'est de me lancer dans la construction d'une usine de colorant. Enfin, colorant. Et vous savez, des couleurs dans Minecraft. Alors. Je regarde en direction de la plateforme qui va être la zone industrielle, normalement. Oh, est-ce que je fais un double pont? Là aussi, je ferai un système d'égout, pourquoi pas. Pourquoi pas. Ouais, à terme, ça ferait double pont. Ah, il y a peut-être quelque chose à faire. Encore que... Ouais, non. Je vois à peu près comment je vais rebondir. De circulation, ouais, c'est la roche comme ça. Je fais au moins 4 de haut. Alors, dans mon bric-à-brac,
Oui. Oh, je peux tout en roche. Est-ce que j'ai un coffre dédié à la roche noire? Oui ou non? Pas l'impression. Ah, attends, j'ai de la... Ah oui, j'ai de la poly, de la pas poly. Ouh là là, c'est pas pareil. Merdoum, je connais plus mes recettes de... Enfin, les roches, les variantes après transformation. J'y suis troublé. Non, c'est de la pierre des abeilles brutes, là, elle est déjà transformée en ardoise. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Et j'en ai pas un coffre plein à craquer? Putain, ça m'étonne. Roche, roche, roche. Pff, après, j'ai pas de... J'ai pas marqué les coffres. Bah merde! Pas aller loin avec mes trucs. Je m'endors, je suis en train de dormir debout, c'est horrible. J'arrive même plus à me concentrer et à apprécier, c'est triste quand même. Je sais pas si Torota ou il y a eu des nouvelles requêtes. Tiens, on va aller voir le centre communautaire. Là, t'y pas une idée qu'elle est bonne. Oui, Torota fait des bibes. Bah, je me demande si je vais pas vous faire un relais de chaîne chez lui parce que. Tant pis, le tableau mystère, on le fera dans 15 jours, comme je suis pas là le week-end prochain. Mais là, franchement, je suis en train de décliner et de me rendormir. J'arrive plus à... Même moi, apprécier ce que je fais, c'est quand même terrible. Donc, il n'y a rien eu de... Non, Dragon Sky, évidemment, n'a pas pris possession des lieux. Non, 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 c'est le truc à pas faire. Un truc plus nerveux, je vais... Ça va être une merde monumentale que je vais vous présenter. Si je fais un jeu trop nerveux.
En dehors de Sonic Mania, à un moment, m'était venu à l'esprit l'idée de, c'est de remplacer par Flat Out, le jeu de Stock Car, là, les bagnoles qui se rentrent dedans. C'est rigolo. Aussi bien pour le joueur que le spectateur. Il y a vraiment du beau spectacle. Mais je suis trop à la ramasse. Je vais faire de la merde. Je vais être contre-performant. Donc... Non, même moi, j'arrive plus à apprécier à jouer. C'est vraiment triste. Hein. Je suis désolé, mais ce week-end, je suis claqué. Là, je passe à la caisse au niveau fatigue. Et, Aïe. Ouais. Faire un truc plus à la cool, mais... Là, à mon avis, dans l'heure qui suit, je retourne me recoucher. Je suis pas frais, je suis désolé. J'arrive à rien. D'ailleurs, je suis en train de faire des bêtises avec mon matos et mes câbles. Non, mais t'inquiète pas, Funfun, tu vas pouvoir prendre congé parce que je suis désolé, mais c'est vrai que c'est d'un ennui mortel là ce que je suis en train de vous présenter. Je suis pas dans le coup. Ouais, crash out. N'hésitez pas à déposer vos références dans le Discord. Parfois, ça m'intéresse. Merci d'ailleurs à vous toutes et toutes quand vous mettez des sujets, des références culturelles, en fait. Non, bah pourvu que je revienne en pleine forme dans 15 jours. Là, je suis vraiment désolé du piètre spectacle que je vous offre, mais je suis éteint. Je peux pas lutter contre. J'avais repris un peu de pêche après ma pause déjeuner, mais je redécline. Ah là là, allez, on va aller chez Torota pour des bébilles. Et puis je vais aller voir Edge pour ses tests, lui faire un coucou. Ouais, c'est devenu le dodo de Nancy, ouais, c'est ça, ouais. Non, désolé, mais quand ça veut pas, ça veut pas. Attends voir, je suis pas sûr que mon raid ait été accepté dans la commande. Oui, il veut plus. Oui, il me dit un truc bizarre. Il faut que je reconfigure mon logiciel. Ouais, merci. Mais vraiment désolé. Là, j'arrive même plus à réagir à quoi que ce soit, à vanner, rien. Je suis éteint. Je suis vraiment éteint. Ah, mes dooms. Mince, non, c'est ouais, moi c'est qui me regarde. Comme Bigalof, par exemple. On va m'entendre dans une ancienne version. Non, c'est une version. Une rediff de camion. Elle est où, mon interface de Twitch? Voilà, on va aller chez Torota. Ah, c'est bien, il a du monde. Allez, on file chez Torota faire des bibilles. Prenez soin de vous, merci pour tout, désolé, bisous. Mais ouais, vraiment, je sens sans déconner que je vais y retourner dormir. C'est un coup à me décaler, mais tant pis, je tiens plus. Allez, on file faire des bibis chez Torota. Ciao, bisous, prenez soin de vous. A plus. Parier beaucoup de la deux retard.